Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va super comme d'habitude, mais surtout parce qu'aujourd'hui, on va parler de la 1.20 de Minecraft, la future mise à jour qui va arriver, je ne sais quand, mais qui va arriver. Avant que la vidéo commence, je tiens à préciser simplement que tout ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est de la suspicion, c'est des hypothèses, on n'en sait rien. Mojang n'a rien affirmé du tout, c'est juste des hypothèses à partir de quelques indices. D'ailleurs, je me suis aidé d'articles pour les informations que je vais te donner, donc tu peux regarder dans la description et normalement, tu les verras. Ça vient pas de nulle part, ce que je vais vous dire. Du coup, accrochez-vous parce qu'on va parler de tout ce que vous aimez, vous, des nouveaux biomes, des nouvelles créatures, des nouveaux items, des nouvelles structures, et surtout, vous avez intérêt de rester, je pense, à la fin de la vidéo, en tout cas moi c'est ce que je ferai, parce qu'on va parler d'une nouvelle dimension. Vous faites comme vous voulez, évidemment, hein. On va d'abord du coup parler des biomes, parce que depuis quelques temps, on peut apercevoir que Mojang, lorsqu'ils sortent des mises à jour, ils s'intéressent vraiment à l'amélioration ou à l'ajout de nouveaux biomes. Donc par exemple avec l'amélioration des océans de la 1.13, ou alors la Nether Update en 1.16, et encore plus récemment la Caves and Cliffs qui a amélioré les montagnes. Donc c'est pourquoi ce serait possible qu'il y ait un nouveau biome ou alors une amélioration d'un biome. En fait, on pense que Mojang va normalement essayer d'améliorer les biomes déjà existants, et surtout ceux où on n'a rien à faire dedans, où c'est nul, quoi, voilà. Mais aussi rappelez-vous que lors de Minecraft Live 2018, on devait voter pour l'amélioration d'un des trois biomes que je vais citer, donc la taïga, le désert ou la savane. Et comme vous le savez, la taïga avait gagné. Du coup, ce qui fait qu'il restait deux biomes qui n'avaient pas été choisis, mais Mojang avait quand même dit que les deux biomes qui n'avaient pas été choisis, c'est-à-dire le désert et la savane, seraient retravaillés pour des prochaines mises à jour. Ça, c'est archi intéressant quand même. Du coup, déjà, pourquoi pas, on pourrait se pencher sur l'amélioration du désert. Le désert, il n'est pas très intéressant. Pour être très honnête, on voit des pyramides parfois, voilà, c'est tout. Et en fait, on se fait chier dans un désert. Non mais faut le dire, moi je le dis parce que je pense que les gens le disent pas assez. Dans un désert, on se fait chier, voilà. Et selon les articles que j'ai pu lire, on nous parle de palmiers, de suricates et d'oasis. Alors non, on n'aura pas une orange, une poire et une fraise qui parlent. Non, 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 moi je parle d'un truc comme ça. Des petits endroits bien sympas avec pourquoi pas du loot. Au moins, ça dynamisera un peu les déserts et ça sera moins chiant. Mais oui Mojang, mettez-moi des oasis dans les déserts. On va se faire kiffer et franchement c'est stylé. Mojang, écoutez les gars... Faites-le, juste faites-le. Et du coup, comme je le disais plus tôt, il y a un autre biome qui a pas gagné, c'est la savane. Et ils ont dit aussi qu'ils l'amélioreraient. Donc franchement, peut-être que la 1.20 pourrait aussi accueillir une amélioration de la savane. Surtout, en fait, en termes d'animaux, parce que la savane, niveau animaux, bon, bah des cochons, des vaches, c'est cool, hein, sans vous offenser, hein, les gars. Mais bon, c'est très très ennuyant à la fin, c'est toujours les mêmes animaux qu'on voit, donc ce serait cool un petit changement là-dessus. D'ailleurs, les articles parlent d'un nouvel animal, l'autruche. Et pour le décor, on évoque aussi des nouveaux arbres. Et enfin, un dernier biome, les Badlands. Pourquoi les Badlands? Parce qu'en fait, lors du biome vote de 2019, on avait le choix entre du coup les Badlands, les montagnes et les mangroves. Les montagnes ont déjà été faites en 1.18, en 1.19, on a eu les mangroves, donc pourquoi pas en 1.20, les Badlands. En plus, on avait remarqué qu'avec l'arrivée de ce biome, on aurait une nouvelle créature qui serait les vautours, quand même stylé. Ce serait à peu près le même principe que l'alai, en tout cas c'est ce qu'on pense, mais simplement il ramènerait pas aux joueurs les objets. Plutôt une créature relou, quoi. Mais on prend. Hey, je t'interromps deux secondes dans la vidéo pour te dire que si tu aimes cette vidéo, tu peux évidemment la liker, et si vraiment tu m'aimes bien et t'aimes mon contenu, tu peux t'abonner, ça me ferait vraiment un gros soutien. Merci beaucoup. Et enfin, le biome qui pourrait être revu, ce serait celui des forêts de bouleaux, parce que le biome est éclaté. Voilà, il est moche, enfin... Je veux dire, c'est le pire biome, je pense, du jeu. Une tier list des meilleurs biomes, lui, il est à Z, Z-, tu vois, genre, je pense que ouais. D'ailleurs, Mojang avait préparé un concept art, c'est celui que vous voyez à l'écran là tout de suite, et donc on pouvait voir des nouveaux arbres, beaucoup plus grands, des champignons qui poussaient sur ces arbres, des arbres creux, des nouvelles plantes, enfin bref, le tout qui pouvait améliorer la vie dans ces biomes et rendre le biome beaucoup plus intéressant qu'il est maintenant. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit cette vidéo, j'ai pensé à un truc, alors je l'ai vu dans aucun article, et il n'y a rien qu'en parle, mais en vrai, dans ce biome-là, ce serait archi intéressant d'ajouter une nouvelle créature, l'ours brun. On a déjà l'ours polaire. Pourquoi pas l'ours brun? Franchement, ça collerait pas mal. En vrai, je crois qu'il faut que j'appelle Mojang, hein, l'idée est géniale. On pensait que ce biome-là, il serait pour la 1.19, mais en fait, non. On n'a rien vu de tout ça. Donc, pourquoi pas sur la 1.20? Allez, Mojang, allez-y, vous êtes tout droit, c'est sur le chemin. C'est sur le chemin, il n'y a pas de déviation, c'est tout droit. Donc, on a fait le tour des biomes potentiels. En tout cas, ceux où on peut mettre des hypothèses parce qu'on a certains indices. Mais ça pourrait être un autre biome, voilà, ça pourrait être vraiment autre chose, mais là je vais pas m'attarder sur ce sujet là parce qu'en fait bah, ce serait complètement du hasard et donc faudrait que je devine, faudrait que je sois à peu près devin. Alors oui, j'ai des compétences assez élevées en devinage, pas du tout, non, en vrai juste ce serait du hasard et je le sais pas, donc voilà, je vais pas m'attarder là dessus par contre, hormis les biomes, je vous ai parlé aussi des items et là ce serait cool, des nouveaux items pour Minecraft 1.20. Déjà, faudrait changer un item, c'est celui de la table d'archerie, qui nous sert à rien. Je suis sûr que là, quand je vous dis ça, il y a plein de gens derrière leur écran qui font « Hein ? Table d'archerie ? C'est quoi ?» J'ai jamais vu ça. Mais oui, vous savez, il existe des tables d'archerie qui, nous, en tant que joueurs, nous servent à rien, mais normalement, il me semble que ça sert pour les villageois. Mais nous, ça nous sert à rien. Pourtant, Mojang avait dit que plus tard, dans une future mise à jour, il mettrait quelque chose en rapport avec cette table d'archerie et qu'on pourrait y faire quelque chose. Pour l'instant,
rien du tout. Et aussi, on peut parler des sacs ou les bundles pour les puristes. Les sacs étaient censés arriver pour la 1.19 dans la Cave and Cliff. Les sacs étaient censés arriver dans la grande mise à jour de la Cave and Cliff et en fait, bah pas du tout, on n'a pas vu. Mais ça serait archi intéressant d'avoir des sacs dans le jeu parce qu'il y a un vrai problème d'inventaire. Donc franchement, si on aurait plus d'espace de stockage pour se déplacer dans le jeu, ce serait vraiment cool. Et attendez, il y avait encore un truc que Mojang nous avait dit, oui, vous inquiétez pas, ça arrivera pour la Cave and Cliff. Et en fait, c'était pas du tout arrivé, c'est l'archéologie. En fait, je me rends compte que Mojang, ils ont dit plein de trucs en mode, oui, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Au final, pas du tout. Parce qu'en fait, dans le Minecraft Live 2020, Mojang avait parlé de l'archéologie et il y avait même une vidéo là-dessus. On était censé avoir une nouvelle structure, donc un genre de site archéologique qu'on pourrait trouver en pleine nature et avec des petites brosses à disposition, etc. pour pouvoir gratter la pierre et puis trouver des artefacts ou des céramiques. Donc pareil, pourquoi pas l'ajouter en 1.20. Et enfin, on arrive au moment que vous attendiez tous, la nouvelle dimension. Et oui, si vous en avez pas entendu parler, ce qui m'étonnerait parce que ça fait pas mal de bruit, il y a une nouvelle dimension qui pourrait arriver sur Minecraft. On suspecte que Mojang est en train de préparer une nouvelle dimension pour les futures mises à jour de Minecraft. Avec l'arrivée de la 1.19 et des nouvelles cités, on découvre un tout autre monde souterrain, avec des nouveaux blocs qui n'ont rien à voir avec l'overworld, donc ça paraît bizarre. Et surtout, il y a une énorme structure en plein milieu de chaque cité qui ressemble à un putain de portail. Faut le dire, ça ressemble à un portail et ça a rien à faire ici. J'ai l'impression que ça a rien à faire ici. Les gars, vraiment c'est bizarre. Donc voilà, on pense à une nouvelle dimension qui pourrait arriver pour la 1.20, pourquoi pas, et qui serait en rapport avec le Warden, les blocs de Skulk, etc. Bon, oui, ça ressemble à un portail et sinon on voit pas trop pourquoi c'est là, on comprend pas trop le truc. Mais encore une fois, je l'ai dit au début de la vidéo, on n'en sait rien. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a mis l'eau à la bouche. En tout cas, je pense qu'on en saura un peu plus le 15 octobre lors du Minecraft Live 2022. Donc d'ici là, portez-vous bien et je vais vous dire à plus. Ciao, bisous, bisous, bisous.